Merci, cher modérateur, chers enseignants, chers amis étudiants. Je dois mettre l'honneur de présenter notre séminaire à thème Évaluation du risque de pollution de la ressource en eau, la région de Cocombo, centre de la Côte d'Ivoire par le mercure, après géophysique et modélisation hydrodynamique. Dynamique. Pour une meilleure présentation de notre exposé, le plan adopté est le suivant. Nous aurons une introduction. Qu'il soit continué, pardon. Voilà, ça. Pense que c'est une bonne question. Voilà. Ils sont vecteurs d'un grand nombre de polluants. Ceci met en évidence le risque de pollution continue pour conquérir des réserves d'eau. Des études récentes réalisées à Cocombo par Diarra et Yapo ont révélé la présence d'éléments trace métalliques dans les sédiments et dans les eaux superficielles, notamment dans le fleuve Vadama qui est utilisé pour l'approvisionnement en eau potable, la sous-préfecture de Cocombo. Cependant, les travaux réalisés sur l'impact de l'empaillage sur les Est-ce que qualités j'entends un petit uniquement sur les eaux superficielles, sans la prise en compte des eaux souterraines qui subissent d'énormes pressions et qui sont susceptibles d'être polluées. Il convient donc d'évaluer la probabilité de cause de pollution de ces ressources en eau en vue des conséquences qu'elles peuvent engendrer afin de prendre des décisions. Et dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de la ressource en eau, il est nécessaire de préserver les ressources en eau. C'est dans ce cadre que cette étude a été réalisée, dont l'objectif principal est d'évaluer les risques de contamination des nappes liés à l'empaillage à partir de la compréhension de la richesse des aquifères via les chemins d'écoulement pour prévenir la pollution des aquifères. De façon spécifique, il s'agit de déterminer la qualité des ressources en eau, la sous-préfecture de Cocombo, de déterminer les chemins préférentiels naturels dans le sous-sol qui pourraient créer des voies de transfert des sources de pollution vers la nappe, de modéliser l'écoulement de la nappe de la sous-préfecture de Cocombo et enfin d'élaborer différents scénarios de restauration des sites empaillés choisis. Pour la suite de notre exposé, il est important de préciser que l'objectif d'un étude doit être réalisé. Par contre, les études 3 et 4 sont en cours de réalisation. Donc, la suite de l'exposé portera sur les objectifs 1 et 2. Passons maintenant à la présentation de la zone d'étude. Du point de vue géographique, la sous-préfecture de Cocombo est située dans le département de Komodi, le centre de la Côte d'Ivoire. Elle est située entre les latitudes 6 degrés 22 minutes et 6 degrés 40 minutes nord et les longitudes 5 degrés 18 minutes et 5 degrés 6 minutes ouest. Les principales activités exercées dans la sous-préfecture de Cocombo sont l'activité agricole et l'exploitation artisanale de l'or. Du point de vue géologique, Cocombo est situé dans le domaine non paléoprotozoïque du socle précambrien. Ce domaine concerne les roches vertes qui sont connues comme étant porteuses de nombreuses minéralisations. Sur le plan hydrogéologique, la sous-préfecture est drainée par de nombreux cours d'eau, dont le principal est le fleuve Banama, qui est long de 1050 km, avec les affluents qui sont l'Indi et la Malawi. On distingue deux types d'aquifères, l'aquifère d'artérite et l'aquifère de fissure. Quelle méthodologie avons-nous utilisée lors de cette étude? En ce qui concerne l'objectif 1, deux campagnes d'échantillonnage ont été réalisées en saison sèche et l'autre en saison pluvieuse. Le matériel d'échantillonnage était composé de bouteilles pour le prélèvement des eaux et des sachets plastiques pour le prélèvement des sédiments. Le matériel était composé d'appareils de mesure que sont le multiparamètre, le turbidimètre et le conductivimètre. L'échantillonnage a eu cet effet au niveau de 9 stations de prélèvement qui sont tous situées à proximité des sites d'empaillage. La zone encadrée en rouge indique la zone de forte activité de l'activité d'empaillage. Sur chaque site,
Les sédiments ont été prélevés et deux échantillons d'eau ont été prélevés dans une bouteille de 500 ml, rincés préalablement avec de l'eau à prélever. Ces échantillons ont été acheminés au laboratoire en valve pour être analysés selon la méthode de l'ICPOS. Et 8 métaux ont été analysés, à savoir le mercure, le cyanure, le cadmium, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc et l'arsenic. En ce qui concerne l'objectif 2, une campagne de traînée de sondage et de tomographie de recettes électriques basées sur la mesure de la résistivité ont été menées. Le matériel était composé d'un ensemble de résistivomètres, de rubans, de marteaux, d'électrodes, de fils de courant et de batteries. Donc, sur un site de cyanuration, le dissoutif sur les jets a été réalisé pour le traîner et le sondage, qui ont permis de mesurer les variations de la résistivité de façon latérale et de façon horizontale. À cet effet, pour le traîner électrique, les électrodes d'éjection étaient distants de 200 mètres et les électrodes de réception de 2 mètres, et le bas de mesure est de 10 mètres. À un point jugé très intéressant, nous avons réalisé des sondages électriques en maintenant les électrodes M fixes et en écartant progressivement les électrodes A et B. Les données ont été traitées avec le logiciel Excel pour le traîner et QCL pour le sondage. Sur un site d'extraction, les profils de tomographie de recettes électriques ont été levés selon le dispositif dipôle-dipôle. Et les résultats ont été interprétés avec le logiciel RES2.org. Quels sont les résultats obtenus? En ce qui concerne l'objectif 1, les eaux de la sous-préfecture de Bokumbo ont une conductivité électrique qui varie de 104 à 355 microsiemens en saison sèche et en saison pluvieuse, elle varie de 99,9 à 207,5 microsiemens en saison pluvieuse. Les eaux de la sous-préfecture de Bokumbo présentent un pH en saison sèche et en saison pluvieuse qui respecte les normes de l'OMS. Par contre, pour la température en saison sèche comme en saison pluvieuse, les températures sont élevées et dépassent les normes de l'OMS, ce qui est le cas pour les turbidités en saison sèche et en saison pluvieuse. Les eaux de la sous-préfecture de Bokumbo présentent des concentrations en métaux lourds. Pour le cyanure, la concentration varie en saison sèche de 0,02 à 0,15 mg par litre. Pour le fer, elle varie de 354,6 à 13,310 mg par litre. Et toutes les teneurs sont supérieures pour toutes les stations. Pour l'arsenic, les valeurs varient de 5,13 à 8,76 mg par litre. Pour le cuivre, de 5,37 à 17,1 mg par litre. Pour le zinc, nous avons la seule valeur de 72,1 à la station P4. En saison sèche, nous avons l'absence de plomb, de cadmium et de mercure dans les eaux de surface prélevées. En saison pluvieuse, les teneurs de cyanure varient de 0,006 à 0,2 mg par litre et la station P4 présente une teneur élevée qui dépasse le nombre de l'OMS qui est égal à 0,17. Les teneurs de fer varient de 0,589 à 4,648 microgrammes par litre. Nous avons une seule valeur de l'arsenic à la station P5 est égale à 8,33 microgrammes par litre. La concentration de cuivre varie de 8,09 à 803,4 microgrammes par litre. Et le zinc présente une seule valeur à la station E8 qui est égale à 678,9 microgrammes par litre, qui est supérieure au nombre de l'OMS. Nous avons la dernière valeur qui est celle du plomb qui est égale à 158,4 microgrammes par litre. Et en saison pluvieuse, on note l'absence de plomb et de cadmium dans les eaux de surface prélevées. En ce qui concerne les sédiments, les concentrations varient pour le cyanure de 0,026 à 0,796 milligrammes par kilogramme en saison sèche, en saison pluvieuse de 0,08 à 0,217 microgrammes par milligramme par kilogramme.
Pour le fer, elle varie de 2400 à 77 700 en saison pluvieuse et de 122,2 à 94 210 mg par kilogramme. Les concentrations sont abondantes pour le cuivre et elles varient de 9800 à 360 100 mg par kilogramme en saison sèche et en saison pluvieuse de 5 à 5567 mg par kilogramme. Pour le mercure, les teneurs varient de 0,064 mg par kilogramme à 2,47 en saison sèche et en saison pluvieuse, elle oscille entre 0,22 et 5,12 mg par kilogramme. On note l'absence de l'arsenic dans les sédiments prélevés en saison pluvieuse comme en saison sèche comme en saison pluvieuse. En ce qui concerne l'objectif 2, sur le site de cyanuration, le profil des traînées électriques révèle la présence de fractures qui sont caractérisées sur le profil par les anomalies en U et en V. L'ensemble de ces fractures ont une direction nord-nord-est, sud-sud-ouest. Et les fractures détectées sur le site de cyanuration sont identiques à ceux. Les fractures détectées sur le site de cyanuration sont identiques à ceux obtenus par les travaux de Sombo, de Kwaku, de Kwasi et de Kwadio dans la vallée du Bandamant, qui indiquent que ces fractures sont recherchées pour l'implantation de forage. Ainsi, les fractures détectées sur le site d'opérage constituent donc des couloirs conducteurs de traces métalliques vers l'eau souterraine. Et le transfert sera beaucoup plus prépondérant au niveau du profil T2 parce que les couloirs sont beaucoup plus ouverts sur ce profil. En ce qui concerne les sondages électriques, la ligne de la courbe montre une succession de quatre couches. La couche superficielle est la terre arable d'une résistivité de 75,01 et d'une épaisseur de 0,5 cm, suivie de la couche d'altérite rougeâtre d'une résistivité de 344,9 au mètre, d'une épaisseur de 6,87 mètres. Ensuite, nous avons le socle fracturé d'une épaisseur de 6,45 mètres qui présente une résistivité de 26,49 au mètre. Et enfin, nous avons à une profondeur de 40 mètres le socle sain d'une résistivité de 64,145 au mètre. Le profil 2 présente une lithologie identique au profil 1. Nous avons une couche superficielle d'une résistivité de 152,5 au mètre et pèse de 0,14 mètres, suivi de la terrine rougeâtre, une résistivité de 666,7 au mètre et pèse de 2,44 mètres. Ensuite, la terrine rougeâtre à facettes graveleuses, qui est épaisse de 78,3 mètres et qui présente une résistivité de 837,2 au mètre. Et enfin, nous avons le socle cristallin qui présente une résistivité de 2337 ohm. Quels sont pour nous faire de ces résultats? Les deux profils de sondage indiquent une succession de couches qui est en adéquation avec le modèle stratigraphique en lieu de socle. Et les sols de la sous-préfecture de Kokumbo sont des sols de type ferralitique qui sont identiques à ceux qu'on retrouve en Guyane. Et selon Zombac et Hall, sur ce type de sol, le mercure est facilement transportable et les teneurs de mercure peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur pour des teneurs qui sont de 500 nanogrammes par milligramme. Et en comparant les deux profils de sondage, la différence d'épaisseur est égale à 74,2 mètres, ce qui indique que la lame d'eau transportant les polluants sera beaucoup plus atteinte, donc atteindra rapidement l'aquifère au niveau du site 1. Sur le site 2, sur le site 2, les trois profils réalisés montrent une succession de trois couches. Nous avons sur le site 2, les profils réalisés montrent une succession de trois couches. Nous avons la cuirasse latéritique qui présente une résistivité de 105 mètres d'une couleur jaune, suivie de la latérite
de couleur verte qui a une récidivité de 13,6 à 105 ohmmètres. Et enfin, nous avons le socle cristallin qui est matérialisé par la couleur jaune-violet qui a une récidivité de 290 à 806 ohmmètres. Le domaine de la grille d'enfermement, la nappe d'eau qui a une résidivité de 0,634 à 4,89 ohmmètres. Sur le profil 1, l'aquifère d'Altérite est non confiné et se situe à une profondeur de 2 mètres. On constate au point de mesure 125 mètres une ouverture qui est large de 10 mètres et qui est une fracture majeure de direction nord-sud. Et le socle est situé à environ 12 mètres. Sur le profil 2, l'aquifère présente une épaisseur uniforme. Et le socle cristallin est résistant dans la partie centrale avec une forme évasée qui est située à 12 mètres de profondeur. Et sur le profil 3, l'aquifère est beaucoup plus épais dans la partie sud et le socle cristallin est altéré en surface et situé à une profondeur de 16 mètres. Quelles discussions pour nous faire des résultats obtenus? Sur le plan lithologique, l'épaisseur d'altérite varie de 10 à 15 mètres avec une couche. L'épaisseur d'altérite varie de 10 à 15 mètres et est située à une profondeur de 2 mètres. Et compte tenu de l'imprégnation d'éléments d'arbres métalliques dans le sol, ceci constitue un risque de contamination de la nappe d'altérite. La fracture majeure détectée sur le profil 1 a été révélée par les travaux réalisés par Soro en 2010 dans la région des lacs. Selon Soro, la classe des fractures nord-sud est majoritaire dans la zone d'étude. Et cette fracture constitue un drain d'écoulement des ETM vers l'aquifère fissuré. Donc, au regard de la lithologie de la zone, nous pouvons dire que l'aquifère des fissures et d'altérite est exposé à la pollution. Quelles conclusions pouvons-nous faire des résultats préliminaires obtenus? Avec les objectifs spécifiques réalisés, nous pouvons dire que la contamination. Nous pouvons dire que les eaux de la sous-préfecture de Kokumbo sont contaminées par les éléments traces métalliques selon l'évolution saisonnière de l'activité d'orpaillage. Et sur les sites d'orpaillage, on constate un risque de contamination des eaux souterraines via les canaux potentiels de migration des polluants pouvant atteindre les aquifères profonds. Le travail qui reste à faire au niveau de la thèse est la réalisation d'un modèle d'écoulement pour comprendre le fonctionnement de l'aquifère et la réhabilitation d'un site d'orpaillage pour protéger les ressources en eau et l'environnement face à la mobilisation et à la dispersion des polluants. Chers enseignants, chers étudiants, voici présenter ainsi brièvement l'essentiel de mes travaux. Je vous remercie.